amis, j'espère que vous allez bien. Normalement, vous avez vu une partie des cartes, mais je vais pas tout montrer comme si vous avez eu le temps, si vous n'avez pas eu la flemme de lire. Je ne montre pas toutes les cartes pour l'instant. Au moins, les gens, ceux qui ont commandé, ben, ils découvrent celles que j'ai pas montrées. Moi, ça fait un peu de la surprise. Donc voilà, je suis trop contente. Et d'ailleurs, j'ai reçu la boîte. C'est la première boîte, c'est la mienne du coup. Je suis trop contente, donc c'était ça la surprise pour le Magic Luna Love. J'ai pas encore les cartes malheureusement dedans pour vous le montrer. C'est en cours d'impression les amis. Les cartes seront brillantes, glissantes, plus rigides. Ça y est, un de mes rêves se réalise enfin les amis. Une boîte comme ça, c'est ça que je voulais, exactement, rigide, costaud. Donc voilà, donc tout évolue. Donc cette nouvelle version, voilà, il y aura aussi un petit livret pour ceux qui ont vraiment envie du petit livret. Et dedans... voilà, ça sera exactement le même format que cette carte et il y aura un pochon en satin rose pour combler tout ça, pour faire encore plus beau, un beau rose un peu, peut-être plus clair ou à peu près comme ça. En tout cas, je suis trop contente, j'ai trop hâte que vous le voyez. Il est trop beau le nouveau, il est trop beau. En plus, comment vous dire, il y a des signes astro, il y a des saisons, il y a quoi, j'ai fait quoi dedans? J'ai mis des signes de caractère. Pour les personnages, j'ai mis les consultants, l'amoureux, l'amoureuse. J'ai mis aussi des cartes qui peuvent penser aux énergies tierces, prédateurs, tout ça, tout ça. Voilà. Et j'ai essayé de mettre des mots-clés un peu qui sortent de l'ordinaire. Bon, pas tous forcément parce qu'il y en a et on est obligé. Donc, je suis trop contente, les amis. Je suis trop contente. Voilà, c'est ça que je voulais. Et un de mes rêves est enfin réalisé, les amis. Je suis trop contente. Merci, l'univers. Donc voilà les amis, je fais des bisous. Il est toujours en précommande. Bien sûr, je suis en train de commander. Bien sûr, je vais pas pouvoir en prendre 1 million d'exemplaires. Donc possible que je sois en rupture de stock ou pas. C'est vrai que j'essaie d'en prendre toujours un peu plus pour... parce que je sais qu'il y en a qui attendent les sorties. C'est logique, en même temps, il y en a non. Voilà, il y en a qui l'ont réservé. Il y a beaucoup de monde, vous l'avez réservé. Donc je suis trop contente. J'espère qu'il vous plaît comme moi. Il me plaît trop. En fait, c'est comme le tome 2, en fait, vous voyez, hein, l'illustration. Et le dos, il sera exactement comme ça. Je suis tellement heureuse. Bon. Hier, je suis désolée, ou avant-hier, je devais publier. J'aime pas mentir. J'aime pas avoir de parole. Mais j'étais tellement chaos. J'ai fait tellement de choses en même temps. Donc j'espère que vous m'en voulez vraiment pas, les amis. Donc voilà, je suis là. Je suis trop contente. Je suis dans de bonnes énergies. Hein. Ça fait plaisir. Alors là, apparemment, ça sera une guidance pour des signes astro, ascendants, lunaires, possible pour l'eau, les signes en eau. Donc, on a cancer, scorpion et poisson, les amis. On va voir qu'il y aura d'autres signes astrologiques. Je suis trop contente, les amis. Je suis la femme la plus heureuse du monde actuellement. Oui, ça peut paraître bête juste pour des petits... Bon, déjà que le jeu il sort, je suis trop contente parce qu'il est trop beau. Mais oui, c'est des détails que je sais que, voilà, même au niveau de la carte, elles seront un peu plus comme cela en fait. Des cartes un peu plus costauds, quoi, un peu plus rigides, plus brillantes en fait. Donc voilà, je suis tellement heureuse. Parce que moi, mon but, c'est vous satisfaire et me satisfaire aussi parce que, voilà, je veux que ça soit bien, quoi. Donc voilà, les amis. Bon, j'arrête de parler. Bon, en tout cas, je suis trop contente. Merci à tous ceux qui me suivent, qui me donnent des conseils, qui me... Voilà, parce que c'est grâce aussi à des personnes qui me conseillent, qui me donnent des pistes, qui me donnent des adresses également. Sans ces personnes, ça serait compliqué. Donc, je suis très reconnaissante, énormément même. Donc, voilà. Bon, allez, on fait la guidance avec Magic Luna tome 1, du coup. On l'a bien mélangé. Allez. Eh bien, on a la carte des sentiments. J'ai tellement envie de l'avoir, le jeu. Bon. Je sais bientôt. Sentiments. Déclarer. Jalousie. Ça va. Alors. On regarde. Ça va. Ça va. C'est pas mal, hein, les amis. On a quelque chose qui évolue. On n'est pas dans l'instabilité. On est dans la reconnaissance, la gratitude. On a la foi. Il y a de la jalousie, quand même. Un petit sentiment de négatif. Oh, bas les masques.
on est dans la vérité. C'est ça que je reprochais à certaines personnes dans les guidances là dernièrement. Le fait de ne pas se montrer vraiment genre comment on est. Là, on peut plus mentir, on peut plus avoir des faux prétextes. On est dans la vérité, voilà. Dans la sincérité. C'est super. Alors, on a une déclaration positive. Le fait de quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime, qu'il vous apprécie. Par contre, cette personne, c'est bizarre. Je sais pas comment ça peut se passer dans le contexte. Genre, il y a quelqu'un qui va déclarer sa flamme, qui va dire qu'il a ou éprouve certains sentiments. Ou tout simplement dire, écoute, je t'aime ma chérie, voilà, ça fait plaisir. Mais dans l'intonation, dans la voix, dans le dialogue, on va sentir quand même qu'il y a un brin de jalousie par rapport à un autre homme, par rapport à une autre femme. Il y a quand même un truc comme ça, une petite peur, tu vois. Mais c'est vrai qu'en grosso modo, ça va. Parce que l'énergie est plutôt bonne. On a des choses qui évoluent, qui sont en route, qui fonctionnent. On n'est pas dans la malveillance. On est dans de bonnes énergies. On est dans quelque chose de sain. En plus, on arrive à dire qui on est. Voilà, il n'y a pas de honte. Bon, c'est vrai que bon, par rapport au passé, c'est vrai que bon, on nous dit que oui, cette personne, voilà, comme beaucoup de monde, a eu du mal à s'accepter, à dire des fois la vérité, ou a pu mentir pour se valoriser, ou pour que. C'est comme si voilà, il y a quelqu'un à un moment donné, mais ça fait plus partie du présent ou ça le fera plus. Genre qu'avait tendance à mentir. Sur lui ou sur elle-même en mode parce qu'il pensait que cette femme ou cet homme allait plus l'aimer, plus l'apprécier, je sais pas comment redire, genre comme si moi je vous disais ouais j'ai une méchante voiture alors que je roule avec ma Twingo 2 quoi. Bon, elle est très belle ma Twingo 2, je l'aime beaucoup, c'est bien pour un premier début, d'accord, elle est très très bien. Non, c'est comme si je disais, je sais pas, je parle à quelqu'un, je lui dis ouais, écoute, je roule en RS3 alors que voilà, je suis en Twingo 2 quoi, c'est ridicule. Donc voilà, bon, je critique pas ma Twingo 2, mais je l'aime beaucoup ma Twingo 2, elle est très bien, Twingo 2 rouge. Et voilà, c'était un exemple quoi. Le type de personne, genre, mais bon, ça fait partie du passé. Mais c'est à cause de l'éducation, c'est à cause de son expérience, c'est à cause de personnes qu'il a rencontrées. Voilà, c'est des personnes, il a pu être touché de près par des personnes un peu trop superficielles, ou après, voilà, superficielles dans le sens, si t'as pas les derniers trucs à la mode, ben, on te calcule pas, tu vois. Et voilà. C'est peut-être juste par rapport à des peurs, voilà, pas tout le monde est comme ça, pas tout le monde juge à l'apparence, par rapport à l'argent. Et ça, il a compris par rapport à cette femme, il a compris que ça servait à rien de mentir et d'être dans la superficialité, d'attirer, de croire que parce que t'as pas d'argent, cette femme va pas t'aimer ou parce qu'elle va pas te regarder parce que... Voilà, cette femme n'est pas, ne regarde pas ça, ne regarde pas l'aspect financier, ne regarde pas cet homme. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui est comme ça. Il n'y a pas tout le monde. Il y en a qui regardent le cœur et cet homme, cette femme va voir que oui, cette personne regarde le cœur et ne regarde pas des choses comme ça, tu vois. L'argent ne fait pas le bonheur, même si ça y contribue. Des fois, t'as l'argent et tout, mais t'as pas l'amour ou t'as pas la santé, ben non, en fait. Il y a des choses qui s'achètent pas. Voilà. Bon, c'est déjà une bonne chose. Il y a une évolution, en tout cas. Et peut-être que le fait d'avoir rencontré cette femme ou cet homme, de toute façon, c'était prévu, hein. C'est une bonne chose pour lui ou pour elle de s'aligner et de se dire... Ben écoute, ouais, je suis comme ça, j'aime ça, j'aime ci, j'ai pas ça, et alors c'est pas grave en fait, c'est pas grave, je suis heureux comme ça, voilà, j'ai confiance en toi,
Je sais que tu me feras pas le même coup que elle ou lui. Écoute, je suis heureux comme cela. Je suis heureux de mon passé. J'accepte mon passé. Je me réconcilie avec mon passé. Et je suis prêt à vivre une vraie histoire dans la sincérité, dans l'équilibre. On peut parler également de gens qui ont des dons de médiumnité, qui ont des éveils, qui ont une très bonne intuition, qui ont la foi, soit dans une certaine croyance, on a quelque chose du genre, on a un couple qui évolue, des personnes qui arrivent à se réconcilier quand il faut se réconcilier, arrivent à mettre de côté les choses négatives, arrivent à vivre le moment présent. J'espère que je me suis bien exprimée quand... C'est vrai que des fois, il y en a qui comprennent pas ce que je dis. Ou c'est moi qui m'exprime pas bien. Voilà, des fois, je dis des mots et il y en a, ils savent que voilà, comment je m'exprime. Mais des fois, c'est pas facile. Ou alors, il y en a, ils font semblant de pas comprendre. Et pour me faire chier. Enfin, bref, c'est pas grave. C'était une aparté. On a les signes. Oh, on a les signes de terre. J'ai vu l'eau tout à l'heure. Peut-être comme tout à l'heure, comme la carte de l'eau, elle n'est pas sortie. Pour les signes d'eau, je pencherai plus vers les ascendants ou les signes lunaires. Voilà, c'est ce que je ressens ici actuellement. Pour les signes plus ascendants et signes principaux, je pencherai plus vers les taureaux, les capricornes et la vierge, et les béliers, les lions et les sagittaires. Donc voilà. Donc il y a quelqu'un qui réalise que non, pas toutes les femmes, pas tous les hommes sont des profiteurs, profiteuses, matérialistes. Voilà, c'est ça en fait. Je vais essayer de faire un global pour bien. Il y en a, c'est vrai qu'ils comprennent pas. Ils m'ont dit quand j'avais demandé la proposition de ce que je voulais faire. Il y en a oui, il y en a non. Du coup, je suis encore en réflexion par rapport à ça. En fait, là, le message concrètement, il est super positif. Peut-être que moi, je ramène ça dans la négativité, mais non. En fait, c'est simplement quelqu'un qui a pu rencontrer dans son passé une femme ou un homme a pu rencontrer des gens superficiels, genre dans le sens qui est vraiment attiré par son argent, par ce qu'il pouvait lui donner, par le financier, par le profit, beaucoup profiter, pas forcément dans le financier, ça peut, mais aussi par rapport à d'autres choses. Et c'est comme si quelqu'un s'était mis dans sa tête, robotisé, que toutes les femmes, que tous les hommes étaient comme cela et que lui, il devait ou elle toujours donner, être dans le matu velu, dans les choses en fait comme ça. Et c'est peut-être pour ça également qu'à un moment donné, il mentait sur certaines choses, sur lui, sur ce qu'il avait, sur ce qu'il aimait, alors que c'était pas vraiment vrai. Et en fait, il réalise que par rapport à cette femme ou cet homme, bah, qu'il a pas besoin d'être comme ça, qu'il doit être vrai, et qu'il est enfin lui-même par rapport à sa personnalité, qui n'est pas du tout dans la superficialité. En fait, c'est comme s'il s'était transformé à un moment donné en homme ou femme superficielle, dans des choses, voilà. Alors qu'à la base, cet homme est très attiré par des choses vraies, saines, famille, amour, amis, spiritualité, des choses qui apportent vraiment quelque chose de concret, tu vois. Des choses qui sont liées au cœur, des choses qui sont beaux, qui sont stables, qui n'a pas besoin d'intérêt pour, voilà. Dans sa spiritualité, il trouve des choses que dans la superficialité, il n'aura pas et qu'en fait, il n'a jamais été aussi comblé que dans sa spiritualité, dans sa foi et dans son parcours. Et ça, au fond de lui, il le savait, mais c'est comme s'il avait un petit peu honte à un moment donné. Donc voilà, là, c'est comme s'il était persuadé, il savait que c'est bon, il avait rencontré quelqu'un ben, comme lui, comme elle. Dans le cœur, dans la vérité, pas dans le profit, quelqu'un qui a pu voir tout cela, qui que ça ne lui a pas fait peur à cette femme ou à cet homme par rapport à des petits mensonges, pas vraiment, pas très grandes conséquences parce qu'au fond d'elle ou de lui, cette personne savait ce qu'il était vraiment en fait. Et on voit un déblocage, on voit que ça y est, cette personne ben voilà, est enfin heureuse et beaucoup plus heureux également dans le sens qu'il s'assume qui il est, qui assume son passé, qui parle de son passé, qui parlera de son passé, de ses anciennes relations, de son passé familial,
qui a également eu beaucoup de jalousie par rapport dans son passé, par rapport à des joies qu'il a eues, des événements, et beaucoup de jalousie autour de lui, de l'hypocrisie, de tout ça, de tout ce qui est méchanceté. Mais on voit vraiment quelque chose de super, qu'on prend enfin que pas tous les hommes et pas toutes les femmes sont méchants, méchantes, superficielles, toxiques, pervers narcissiques, pas tout le monde est comme ça heureusement, et qu'il y a des gens qui ont des valeurs, toujours envie d'évoluer quand même, progressant, mais évoluer également personnellement, dans son développement personnel, dans tout ça, de créer vraiment des vrais liens qui peuvent grandir de jour en jour. Donc voilà, comprend que son passé le fait évoluer, l'a fait évoluer. Il y a également le fait d'avouer que oui, on a aimé une personne dans le passé, mais malgré ça, on l'a aimé, mais on n'était pas vraiment nous-mêmes ou elles-mêmes. Il y a un truc comme ça où cette personne va dire oui, j'ai aimé cette femme, cet homme, mais c'est vrai qu'avec lui ou avec elle, j'étais pas moi-même. Je l'ai aimé, j'ai passé des bons moments, mais je l'aimais avec mon cœur, je lui ai dit que je l'aimais, je faisais tout pour elle, mais en fin de compte, elle ne me voyait pas comme moi, toi tu me vois. Tu vois, c'est ouais, c'était un peu un amour, je sais pas si on dit un amour superficiel. Le fait, parce qu'en fait, il se montrait pas vraiment qui il était, donc oui, lui, il aimait, mais voilà. Donc voilà, les amis, le petit message intuitif. Ouais, c'est sympa quand même. Je crois que j'ai pas eu de message comme ça depuis... Non, mais cette histoire-là, elle ne me parle pas. Dans le sens où j'ai pas le souvenir d'avoir évoqué quelque chose comme ça. Ok. On va regarder. On va voir si on n'a pas un autre message. Moi, je l'aime bien, ce message du jour. On a des souvenirs, de la nostalgie pour les béliers, les sagittaires, les lions concernant une personne mûre. Alors, on nous parlera de guérison. Une personne va pas forcément apprécier les rendez-vous, les paperasses, les trucs liés aux trucs que tu dois réfléchir, les trucs importants. Mais on va pas kiffer. Mais on va se réconcilier avec ça. Voilà, on va essayer de faire mieux. Il y a quelqu'un qui a beaucoup pleuré par rapport à une maîtresse, un amant. On nous dit que ça a été en pause ou ça sera en pause. Quelqu'un qui a beaucoup pleuré. Pour quelqu'un qui n'était pas libre ou quelqu'un où on n'est pas libre. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, on nous parle de réconciliation ou une mise en entente, régler un petit problème avec un nouveau départ et la protection des anges et des univers. Et de l'univers, pardon. De la jalousie professionnelle, de consoeurs, de confrères, mais qui nous aiment quand même. Voilà, qui nous apprécient, mais qui sont quand même un peu jaloux. Ouais, bah écoutez, ça peut être de l'envie, de l'admiration, mais bon, c'est quand même un peu de la jalousie. Alors, on nous parlera d'une spiritualité, je l'ai vu dans le message précédent, une spiritualité en augmentation, et on va déclarer certaines choses par rapport à notre foi. On nous parle de justice divine par rapport à un choix difficile, mais qui a été fait avec le cœur quand même. On nous parle de regret, de culpabilisation pour une femme. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'elle regrette. Et on nous dit qu'elle aura l'harmonie et la paix. Malgré peut-être ce qu'elle a fait, ce qui s'est passé. Mais elle aura la paix. On nous parle de concurrence et de rivalité par rapport à quelqu'un qu'on aimerait charmer dans le cercle amical ou quelqu'un qu'on connaît. Quelqu'un qu'on connaît, genre moi, j'ai une copine. J'ai un mec qui me plaît, on va dire. Et elle aussi. Pas bon, ça c'est pas bon ça. C'est des problèmes.
On a un rendez-vous amoureux, un face-à-face. Mais on nous dit que faudra parler. Comment expliquer ça? Ouais, je l'ai dans la tête. Hein. Faudra parler, genre moi, j'ai mon mec, il m'invite quelque part dans son univers, genre un lieu, genre qu'il kiffe, genre quelque chose qu'il aime. Mais je ne suis pas. Voilà. Ça me plaît quand même, mais faudra en parler peut-être la prochaine fois. Peut-être que c'est moi qui organise un rendez-vous ou dans un quelque chose qui m'attire moi beaucoup plus, quoi. C'est pas, c'est juste ça. Ok. Alors, on nous parle d'un engagement ou on nous parlera de construction, mais faudra prendre une grande décision, les amis. On a un détachement sur l'argent. Ça parle, hein, par rapport à avant, la guidance. Un détachement par rapport à l'argent grâce à une naissance, à quelque chose qui se met en place. On a plus un lâcher-prise. On nous parle d'équilibre, de stabilité par rapport au déplacement et par rapport à des choses qui ne sont pas très loin de nous. Et on aura beaucoup de désirs par rapport à cela. Alors, on a des cassures, des ruptures actuellement ou très bientôt. Mais on nous dit qu'on peut éviter ça. Si on veut, ça veut dire que c'est un choix, cette rupture, cette cassure, ce désengagement, c'est un choix ici. Alors Capri, Taureau et Vierge, on nous dit, et il y a aussi les signes d'eau qui sont mêlés à ça, un mariage ou alors un grand engagement. Un engagement concret, signature et tout. Pour les cancers aussi, les poissons et les scorpions. On a un échec. Alors, par la suite d'un échec, de quelque chose qui a foiré, on nous dit qu'on est en train d'y penser, d'y réfléchir pour créer un changement, pour aller de l'avant. Super. On va essayer de négocier, s'arranger, trouver des compromis pour une opportunité concernant un lieu de vie, habitation, logement, quelque chose où il y a des murs en tout cas, voilà, une entreprise, ça peut être aussi. On a un événement assez rapide qui est en lien avec un nouveau cadeau, une surprise, et on nous parlera d'aventure, d'orientation. On nous dit qu'on va accepter quelque chose lié à la famille parce qu'on va y croire et on va valider. On nous parle qu'il y a une personne jeune ou lié à un enfant, qu'il y a un conflit et on va annoncer, on va dire des choses haut et fort. Gémeaux, Verseau. Balance, on prend de la distance par rapport à des choses officielles, par rapport à une forme de gloire, par rapport à des paillettes, par rapport à des. On veut pas nous voir en fait, on veut pas nous voir et on prend une certaine distance. Ou il y a quelque chose qui se passe à distance. Il y a un homme ici qui va écrire, qui veut se rapprocher d'une femme ou d'un homme, ça dépend de son orientation sexuelle. On nous parle d'un amour puissant qui revient dans nos vies. Grâce à la grâce de l'univers, un miracle. Et on nous dit un événement heureux qu'on avait prédit ou qu'on avait senti, quelque chose comme ça. Ok, alors on va prendre un petit peu pour finaliser la vidéo. J'ai mélangé les deux jeux là. Pour avoir encore un petit message. Le cœur a ses raisons et la raison ignore le cœur, ou je ne sais plus comment on dit. On a je te surveille. Ah oui. Il y a un homme qui ne peut s'empêcher de surveiller, de voir, de regarder une femme parce que elle fait sa vie, parce qu'elle est active, parce que elle est moins derrière ses bases, parce qu'elle ne lui colle pas à la peau, parce qu'elle ne l'harcèle pas, parce que elle fait sa life, parce qu'elle est motivée, parce qu'elle est active. Et cet homme sait que c'est pas forcément bon pour lui de la voir, de la regarder tout le temps, d'être vraiment. Voilà. Parce qu'en fait, il a besoin d'attention et son attention à cette femme, elle est plus portée vers elle, vers ses activités, vers son travail, vers sa famille, vers ses enfants.
Et du coup, il sait que c'est pas forcément bien pour lui d'être trop. Parce qu'il a vraiment. Il y a un genre de manque. Il a vraiment envie de savoir ce qu'elle fait. Voilà, il a un manque, en fait, concrètement, ce mec. Alors. Alors, on voit qu'elle l'aime, on voit qu'il l'aime, on voit ici ouais, qu'il ne peut pas s'empêcher de la surveiller, de la regarder. Il a l'impression qu'elle s'est éloignée, il a l'impression qu'il y a une certaine distance. On voit que lui, il essaye aussi de penser plus à lui, de se préoccuper plus de lui et d'être plus dans le lâcher prise parce que ouais, il y a vraiment une obsession quand même sur elle, pas une obsession malveillante, pas quelque chose... de pas bien, mais voilà. Alors, là, on nous dit qu'il a envie de lui parler, qu'il a envie de la voir beaucoup plus. Et on voit que non, elle ne peut pas, elle a des choses à faire. Voilà, c'est pas qu'elle veut pas le voir, mais c'est un peu un emploi du temps, on va dire, chargé. Et il y a un manque, il trouve ça un peu injuste et qu'elle ferait pas apparemment assez d'efforts. Mais voilà, c'est juste ça, quoi. En gros, c'est juste un petit garçon ou une petite fille qui a besoin d'un peu plus d'amour. Donc voilà, j'ai tellement hâte de l'avoir. J'aurai lui comme ça en complément pour les guidance love ou un peu plus dans le, je sais pas comment dire, dans les choses plus. Je sais pas. Voilà, et ce sera un gros complément là. Je pourrais pas dire que j'ai pas de règles. Donc je suis trop contente. C'est là, il vaut de l'or. C'est le mien. C'est mon échantillon. L'échantillon, voilà, il est. Oh, alléluia. Alléluia. Donc voilà, les amis, moi je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Sortez couverts, n'attendez personne, vous n'avez pas le temps. Et non, j'ai pas envie d'arrêter de dire cette phrase. Et il y a quelqu'un là, un petit malin qui est, je pense qu'il est quand même sympathique parce qu'il m'écrit souvent des commentaires, gentil quand même. Mais non, je ne peux pas. Regarde là, j'ai parlé, je suis sûre que j'ai dit ce que tu m'as dit. Genre, tu m'as dit, arrête de dire, même si c'est chou, tu vois, tu vois. Là, j'ai pas capté que je l'ai dit, mais c'est sûr que je l'ai dit 20 fois. Mais les amis, toi aussi, il y a des trucs que tu dis tout le temps. C'est obligé, tu t'en rends pas compte. Ok ? Et je ne peux pas. C'est tout à fait impossible. Ma grand-mère, elle dit quoi toujours ? Ma foi. Elle dit toujours ça, ma foi. Ou il y a même tellement, quand elle parle, je sais ce qu'elle va dire. Des mots à la fin. Je le sais, je lui dis avant ce que je sais. Il y en a, on est tous comme ça, on a tous notre vocabulaire. On a tous quelque chose, des petits tics en fait. Des... Voilà. Donc voilà, je dis tout le temps, donc voilà, ça c'est sûr. Je me suis filmée pour faire un truc, je sais plus quoi, pour un truc personnel, voilà, au niveau professionnel. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois, ce que je coupe à chaque fois, genre pour une vidéo spéciale. Et à chaque fois, je m'écoute, je fais, à chaque fois, à la fin de phrase, je dis donc voilà. C'est horrible, je le sais, mais voilà. Tu veux que je dise quoi, à part voilà. Enfin bref, je devrais rien dire. Je ne peux pas, c'est pas possible en fait. Donc voilà, j'avais envie de dire là. Ça fait du bien de le dire. C'est, je sais pas, c'est, ça me fait du bien. Concrètement, ça me fait beaucoup de bien. Oui, oui, c'était bizarre. Donc voilà, écoutez, bon, je vous fais des bisous. Soyez heureux et puis voilà. Je sais pas quoi dire d'autre à part ce mot. Bon, je vais promener moi aujourd'hui. Faut que j'aille faire des achats à la pharmacie. Bon, bisous. Prenez soin de vous.